Bonjour et bienvenue sur HP World au potentiel. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un fait divers qui a créé une fois de plus une polémique, une fois de plus traité de manière relativement bâclée par les gens sur le net, tous réseaux sociaux confondus. Bon, certains, j'y suis pas, mais à mon avis, même sans y aller, ça doit être quand même assez croustillant. Et puis, de ce que les gens de ces mêmes réseaux ont pu raconter comme bêtises et comment ça a été un petit peu aussi utilisé comme une espèce de pseudo putaclic, c'est-à-dire le sujet du moment, donc tout le monde a cliqué dessus pour savoir ce qu'a dit l'autre. Et des fois c'est un petit peu franchement du n'importe quoi, dans le sens que si cette personne n'avait rien dit c'était pareil. Mais bref, vous allez me dire, mais t'en parles aussi, oui. Mais j'ai attendu, et puis je vais pas prendre le pied de dire que je suis au courant de tout, etc. Je viens de lire un article sur un journal suisse, pour avoir une vague idée de comment eux, ils l'ont traité, et quels éléments ils ont mis dedans. Alors c'est pas le journal haut niveau non plus, mais là je voulais voir un petit peu comment ils en parlaient, et puis au moins c'est accessible sans abonnement, donc allons-y. Alors, on parle de ce jeune garçon qui se fait tuer par un flic, ou plutôt par un policier, pardon, qui lui tire dessus pour rien. Alors certains vont dire oui, mais il avait une arme, etc. Aucun article de aucun journal n'a dit qu'il avait une arme. Zéro. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite, certains disent, ouais, il avait un casier judiciaire. Nada. Zéro casier judiciaire. Au pire, s'il en avait eu un, ça aurait été un petit vol, une connerie, mais enfin, rien qui mérite de se prendre une bastos, de toute manière. Et voilà. Donc pour l'instant, hop. Ensuite, j'ai vu, ça j'ai pas vu la vidéo en entier, mais des gens ont utilisé la vidéo où sa mère était dans la manifestation, puis il y avait des moments d'euphorie, puis des moments de pleurs. Et évidemment, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont retenu que le moment où elle était euphorique, parce qu'il y a plein de gens qui la soutenaient autour, donc forcément, il y avait un petit, certain regain d'énergie, et puis à un moment donné, ça retombe, donc là, parce qu'elle a quand même perdu son fils. Son fils. Son fils. Oui, je répète plusieurs fois pour qu'on comprenne bien ce que ça veut dire, quoi. Donc certains ont fait des rattrapages de là-dessus en disant « Ah, regardez, elle est contente que son fils soit mort, etc. etc. » Mais il faut pas avoir de conscience pour dire une chose pareille. Il faut pas avoir de conscience. Il faut être fou. Il faut être fou. Il faut être fou. J'ai vu ça, des mecs dire ça sur autant sur Facebook que sur YouTube que sur Facebook et sur YouTube, parce que c'est le seul endroit où je regarde ce genre de choses-là. Mais c'est ça, c'est ça. Donc les gens commentent sans savoir. Alors, après, on voit leurs sources. Alors, je ne dis pas qu'elles sont forcément les pires du monde, mais pour ce genre de sujet, malheureusement, oui, c'est les pires. BFM TV, CNews, à droite, de la droite, de la droite, LCI, droite assez costaude, et puis éventuellement TF1, qui s'est quand même adouci, mais à droite quand même. Et puis ces gens-là, donc, qui regardent ces chaînes-là, se diraient-ils pas, bah tiens, j'allais voir ailleurs ce qu'ils disent. France 24, France 2, France 3, pourquoi pas, ou sur le journal d'Arte, qui est un journal européen, voilà, et puis éventuellement pourquoi pas sur la Suisse aussi si vous la captez. Comme ça on peut se dire voilà, j'ai écouté les gens d'ici, les gens de là, mais les gens de là. Après, comme pour le vote, hein, qui m'a convaincu? Mais de ce point de vue de qui m'a convaincu, il faut regarder ces chaînes là avec
un esprit le plus neutre possible pour pas avoir le cerveau pollué par le discours des autres chaînes qu'on aurait pu regarder avant. C'est pas facile à faire, c'est même très compliqué, mais il faut essayer de le faire. Par honnêteté intellectuelle, et puis pour pas avoir un préjugé de. Voilà. Voilà. Comme ça, après, on peut faire une espèce de melting pot. On note des trucs, bah, alors TF1, ils ont dit ça, France 2 a dit ça, Arte a dit ça, BFM a dit ça, machin, puis. On fait une espèce de melting pot, puis on se dit, bon, ok, globalement, ils pensent, globalement, j'ai bien dit, sans rentrer dans le détail, ils pensent que. Et après, on donne son avis, comme ça, relativement impartial, ils ont dit que. Alors, c'est pas le premier fait divers de tous les temps, hein, en France, ou en Suisse, ou en Allemagne, ou en Autriche, ou où vous voulez. Parce que les faits divers, il y en a tout le temps, tous les jours, des bavures, il y en a partout, 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 partout. Maintenant, ce qui revient souvent en avant, c'est la formation des policiers. Que ce soit en Suisse, parce que je vous garantis que dans certains cantons, il y aurait moyen d'un petit peu, hein, de remettre un petit peu de matière grise dans la tronche. Pourquoi? Tout simplement parce que certains qui sont dans les brigades d'intervention et autres ont oublié ou ont pas eu de cours de médiation. Parce que tout ce qu'on leur demande, c'est un petit peu comme, je sais pas, comme quel sport, il y en a même pas, c'est-à-dire rentre dedans et puis on n'en parle plus. De côté un petit peu, comme on disait du FBI à une époque, il tire d'abord et puis pose des questions après. C'est pas loin d'être à peu près dans cet acabit-là. Ce qui est triste, parce qu'au fond, ben, il y avait un minimum de cours de médiation pour essayer de savoir comment ça se passe, sans forcément vous retrouver avec d'abord un coup de matraque dans la tronche ou dans les genoux, ou éventuellement un Glock 19 sur la tempe ou autre, voilà. Ben, avec un minimum de discours, tant que c'est possible, tant que le discours est possible, mais pour qu'il soit éventuellement possible, pour prouver que c'était impossible de parler avec cette personne, prouver par A plus B, pas par des petits chemins de traverse pour dire qu'en fait, machin, non, non, non. Il faut être honnête jusqu'au bout. On fait une connerie, on fait une connerie. Ça peut coûter cher. Renverser quelqu'un en voiture, ça coûte aussi cher. Hein. Voilà, il peut être le policier peut être en civil, il renverse quelqu'un ou plusieurs personnes, et ben voilà. Il sera emprisonné. Ben, c'est la même chose. Je veux dire, la loi, ils sont pas au-dessus de la loi, et la loi n'est pas sous eux non plus. Voilà. Et puis, donc dans tout ça, il y a ce côté aussi, comme j'ai dit dans un de mes premiers essais, de cette même vidéo, que les gens qui faisaient des vidéos, ce sont genre d'événements, que ce soit les gilets jaunes, des émeutes ici ou enfin, près de chez eux, etc., etc., quel que soit le pays, faisaient ça pour avoir des vues. Mais après, voilà. Avoir des vues, pourquoi pas, hein, voilà, fait partie de YouTube, machin, ceux qui sont monétisés, ok. Mais si vous voulez faire ce genre de choses, faites comme j'ai dit précédemment, renseignez-vous à plusieurs sources. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Imaginez, on dit des choses sur vous qui sont fausses, mais absolument fausses. Bah, vous allez vous dire, dis donc, il est gonflé machin, il est gonflé machine, hein, etc. Elle s'est pas renseignée, elle m'a dit que j'étais ci, ou il m'a dit que j'étais ça, etc., etc. Renseignez-vous. Et puis faites cette même vidéo, mais avec des arguments. Avec des arguments. Mais des bons. Pas des je pense que, il serait que, éventuellement, peut-être que si, et puis. Hein, voilà, le fameux avec des si on refait le monde, ben là c'est à peu près ça. Avec des si, je fais des vues. C'est bien, mais ça mène à rien. Parce qu'au fond, dès que les premiers commentaires arriveront et poseront des questions, vous serez là. Je sais pas, à cab.
Waouh! Et puis, donc, ça c'est une chose. Après, vous avez les gens qui manifestent. Et ça, je vais en faire un long laïus parce que c'est des gens que je ne supporte pas. Ceux dont j'ai parlé, et je crois que j'en ai déjà parlé dans des vidéos il y a longtemps, mais enfin bref, c'est pas grave. C'est les casseurs. Ça, c'est non. Ça, c'est non. Pourquoi? Parce que ils s'attaquent à des gens qui leur ont strictement rien fait. Ils font brûler des voitures de ces mêmes gens qui leur ont rien fait, qui leur serviraient d'aller au boulot. Donc chez un patron ou à leur officine, s'ils sont indépendants, donc là c'est fini, ils ont plus, c'est brûlé, c'est fini. Ils cassent des magasins de particuliers, donc ils cassent Lidl ou autre, à la limite, Lidl a assez de fric, ou d'autres grosses marques de ce style-là, comme Migros, Coop en Suisse, ou Aldi en Allemagne, en Suisse, etc. Ils ont assez d'argent pour... voilà. Mais le petit commerçant, il n'a pas ce fric. Il ne l'a pas, à moins d'avoir un commerce florissant. Ce qu'on peut espérer, mais c'est pas tout, c'est pas forcément le cas. Donc voilà. Donc on ne casse pas le bien d'autrui. Je suis navré. Ça, c'est quelque chose qui me reste en travers de la gorge. Et ce qui me reste encore en plus en travers de la gorge de ça, est-ce possible, pardon, c'est le fait qu'ils soient cagoulés. Parce qu'ils cassent, mais en plus, ils ont pas de couilles. Ils n'ont pas le courage de faire ça démasqué. Vous allez me dire, ah, mais c'est normal, la plupart des bandits, ils sont masqués, il ne faut pas qu'on les reconnaisse. Oui, mais des bandits, donc des gens qui sont éventuellement recherchés. Depuis. Ah, mais là, c'est des gamins, en plus, la plupart. Les Black Blocs, ils ont quoi, entre 15, on va dire 25 ans. On nous espérait qu'ils n'ont pas 30, mais peut-être que certains, oui. Masqués. D'extrême gauche, mais masqués. Vive le courage! Mais ceux d'extrême droite, c'est la même chose, hein. Masqués, vive le courage! C'est ça, hein. Donc ils pètent des magasins de particuliers. Et je trouve ça dégueulasse. Après, j'ai vu un mec qui a mis sur Facebook, alors peut-être qu'il a une chaîne YouTube, mais bon, c'est dans Facebook Watch. Il disait, il parlait aux manifestants, aux casseurs justement, il disait, vous allez casser des Lidl où vos mères, pères et autres vont faire leurs courses pour vous donner à bouffer. D'un coup, je me suis dit, mais au fond, c'est vrai. En fait, ils vont casser des magasins où ils vont eux-mêmes faire des courses pour acheter les produits qui sont à l'intérieur. Donc là, ils le pètent, donc hop, dans l'os, parce que tu pourras plus y aller. Pourquoi? Parce que tu as cassé. Alors vous allez me dire, ouais, mais ils ont volé, machin, machin. Oui, ils ont volé. Technologie oblige, ils vont regarder les vêtements. La montre éventuellement, le tatouage qui pourra apparaître ou autre, et c'est terminé. La personne va être reconnue. Les godasses, machin, etc. Parce qu'il ne va peut-être pas les mettre pendant 1 ou 2 mois, ces vêtements-là. Le jour où il le remet, plip! Parce que ça va pas s'arrêter, ils vont pas s'arrêter de chercher, hein, faut pas croire. Hein. Bon, après, c'est la poste qu'ils ont volé. Hein, je veux dire, s'ils ont volé 3-4 paquets de pâtes, bon. Même en Suisse, ça coûte pas très très cher. Ils vont pas courir après, ils vont pas courir après, on va dire 6 francs suisses, quoi. Alors, voilà. Après, ils peuvent tous s'amuser à faire une plainte collective si tout le rayon a été vidé par X nombre de personnes. Par contre, le Darty qui a été donc magasin d'électroménager pour ceux qui ne connaissent pas, électroménager et télévision, etc. Hein, ça englobe pas mal d'autres trucs. Là, ça vaut la peine parce que il fauche quand même des trucs à entre 100 et 1000 euros. Donc là, on commence à parler de quelque chose de relativement sérieux. Mais c'est par personne. C'est pas comme le Aldi ou autre où c'est tout le monde qui a volé pour. Donc la globalité a volé
pour cette somme-là. Là, c'est une personne qui a volé pour pratiquement la même somme que ce que les gens de chez Lidl ont volé. Voilà. Mais là aussi, encore une fois, c'est là où ces mêmes personnes, au peu qu'ils soient de cette région-là, parce que c'est même pas sûr en plus, vont prendre des trucs qu'ils auraient pu acheter ou avoir besoin. Un robot mixeur, un machin, machin. Alors vous allez me dire, bah, ils l'ont volé, ils l'ont pris. Oui, comme tout à l'heure, hein, ils vont faire des reconnaissances, et puis physique ou autre, avec les technologies d'aujourd'hui, à mon avis, il faut espérer que ça, qu'il y a effectivement ces technologies-là, pardon, pour retrouver ces gens-là, et puis récupérer le robot, la téloche, tout ce que vous voulez. Parce que c'est comme ça. Parce que c'est du vol, et puis s'ils se font choper, ben ils payeront en tôle. Voilà. Tout ça pour ça. Donc, ça c'est parti là. Ensuite, l'autre partie, pour revenir un petit peu en arrière, c'est, comme je disais, de commenter sans savoir. Parce que beaucoup ont posté sur communauté ou sur Facebook, etc. des choses dont il parle sans avoir le moindre élément tangible à donner. Donc en fait, ils passent leur temps à enfoncer des portes ouvertes, puis à la fin, la vidéo, vous êtes là, ouais, qu'est-ce qu'il a dit? Ou qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'il y a eu des violences ici ou là, qu'on a eu des vols, mais sinon. Hein? Non, elle n'a rien dit. Bon, voilà. C'est ça. Je regardais une vidéo tout à l'heure comment il s'appelle ce type-là? Olive. Ouais, le gros titre, la putaclic, justement, là, on va vous dire la vérité. Puis, j'ai regardé, je crois, 3 minutes. Le vide. Mais le vide. Le mec qui se prend pour un révolutionnaire, il vous explique rien du tout. À la fin, à la limite, vous avez plus que lui en dehors de son pays que lui à l'intérieur du sien. Mais il se prend pour une espèce de révolutionnaire ou je sais pas quoi. C'est bien. Le problème, c'est que quand il va dans les manifestations, le mec il se fait gicler. Donc, après, c'est son problème. Moi, j'ai rien à foutre. Hein. C'est son problème. Tout court. Voilà. Ensuite, et pour finir, on va avec tout ça. Où on va avec tout ça? On est là, faire des vidéos, puis après quoi? Il va se passer quoi? Ça va changer le monde? Ça va réveiller une ou deux consciences? Pas sûr. Et puis si c'est une ou deux, ce sera vraiment une ou deux, c'est pas 500 000 personnes ou 3 000 personnes ou autre, hein. Non, c'est une ou deux. Parce que le casseur, même si vous lui expliquez par A plus B qu'est-ce qu'il aurait dû faire et faux, preuve, machin, machin, il sera là. Ouais. Puis sinon, vous n'avez pas un coca zéro? Parce qu'il n'aura rien à carrer. Il ou alors n'aura rien à carrer. Moi, ce qui me faisait marrer, c'est pendant les manifestations, c'était cet hiver, où, ouais, il me semble. Oui, contre la réforme des retraites. Vous êtes tous ces petits jeunes de 15-16 ans, ACAB. Ouais, c'est bien. Puis quand ils se retrouvent devant eux, Monsieur l'agent, ne me tapez pas. Ah bah t'assumes, hein. T'assumes. Tu dis ACAB, tu te retrouves pas devant le fonctionnaire de police, puis ah non, bah tu prends ton coup, ta claque dans la gueule et puis on n'en parle plus, quoi. C'est pas beau de crier ACAB à 500 mètres du gars, quoi, ou de la policière. C'est bien, ça montre aussi un grand courage. Hey, vous savez quoi, les gars? Dans la manifestation, j'ai dit à cab. Ouais, c'est bien, bravo. Problème, c'est que le jour où toi, t'as une merde dans ton appartement parce qu'on t'a cambriolé, c'est ces mêmes gens que t'as dit à cab qui vont venir faire l'enquête, et puis qui vont éventuellement retrouver la personne qui t'a volé toutes tes affaires et te les ramener. Ou quand tu vas te faire agresser, puis que tu vas téléphoner, puis qu'ils vont dire ah, on va enquêter, puis qu'ils arrêtent la personne, là, le ACAB, y a plus, hein. Alors, on va me dire oui, mais ACAB, c'est plutôt les SRS, c'est pas les flics. Ouais, mais c'est la même corporation, les mecs, hein. Ça reste la justice.
C'est tout, seulement les CRS, la brigade d'intervention, et la police, c'est la police, et puis après, la police municipale, c'est un peu plus bas, etc., etc. Donc il faut amender, il faut arrêter. On veut la carte, ben, le jour où vous avez besoin d'eux, et qu'ils sont là, ben, vous allez dire quoi? À vos copains révolutionnaires, casseurs de mes machins là. Ouais, les mecs, vous savez quoi? J'ai appelé la police et puis j'ai retrouvé mon voleur. Oh non, traître, oh non, t'es une traître. Parce que c'est ça, au fond, hein. On n'aime pas la police parce que ça fait bien. Mais le jour où vous avez besoin d'eux qui sont là, ben, vous serez les premiers à leur faire un gros câlin ou à leur serrer la main, franchement, pour dire merci. Bah oui. Ben oui, oui, moi aussi, hein, un jour, j'ai pas aimé la police, et puis, quelque part, il y a des moments où j'aurais eu assez le droit de ne pas les aimer, mais, enfin, assez droit, j'avais assez d'éléments pour ne pas les aimer, mais le jour où j'ai besoin d'eux, ils seront là. Deux poids, deux mesures. Et puis, comme on dit à chaque fois, ils sont pas tous comme ça. Il y a toujours quelques brebis galeuses qu'il faudrait gicler, et déjà on se demande même comment ils ont réussi à avoir leur boulot là où, enfin leur poste de travail. Parce que je vous garantis qu'il y en a certains, je suis pas sûr qu'ils aient réussi réellement leur examen d'entrée, très sincèrement. Parce qu'on a beau dire que c'est relativement facile, hyper facile l'examen d'entrée. Bon, peut-être le côté physique, machin, training, machin, etc., parce que c'est des sportifs, machin. Mais à mon avis, à l'écrit ou autre, au niveau. Il y en a certains, je sais pas trop comment ils ont réussi. Hein. Très sincèrement, je sais pas comment ils ont fait. Hein. Je vous le dis tout de suite. Parce que dans certains autres boulots, ils auraient fait la même chose. Donc la même démarche, etc. avec tout ce qu'ils ont là-dedans. À mon avis, le CV doit être une horreur. Et puis l'entretien d'embauche dans l'autre métier, c'est monsieur, hop, au revoir. Parce que pas le niveau. Tout simplement. Voilà. Donc, tout ça pour dire que beaucoup de gens parlent de faits divers X ou Y sans avoir la moindre information solide. Ce qu'il faut faire, c'est à la limite attendre la fin du jugement, etc. Et puis refaire un review du tout, c'est-à-dire le premier reportage jusqu'à la fin totale de l'histoire, et puis faire une vidéo, délivrer quelque chose. Comme ça, on a le temps d'avoir que tous les oui, il semblerait, tous les il semblerait que, puis si machin, soient effacés par des il a fait, il. Elle a fait ça, 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 et c'est prouvé par A plus B, machin, machin, qu'il n'y a pas de d'entourloupe dans le jugement. Eh ben, voilà. Vous avez quelque chose de solide, avec des vraies preuves, et puis vous pouvez faire une votre vidéo avec de vrais éléments prouvés, stempelisés par la justice. Et puis après, vous êtes tranquille, parce que vous n'avez plus qu'à délivrer ce qu'a dit le juge. Ou là plutôt l'avocat, et puis vous êtes blanchi, puisque ce sera rendu public. Et c'est aussi simple que ça. Faut juste attendre. Alors je sais que certains ne peuvent pas attendre, mais c'est comme ça. Certains parlent d'événements dans d'autres pays, sans y avoir mis jamais les pieds, mais passent leur temps à regarder les vidéos. Enfin, les journaux, les téléjournaux de ces pays, parce qu'on ne sait pas pourquoi. Tout simplement. Puis ils commentent, sans aucun élément, comme je disais, se basant que sur une ou deux chaînes, de droite, de la droite, de la droite, et puis ils balancent ça, des vidéos, des posts dans communauté pour dire. Comme je disais tout à l'heure, du moment que quelqu'un pose une question parce qu'il est un peu renseigné, bah la personne derrière la vidéo va être là, mais je sais pas en fait, et puis il va répondre à un truc bon moelleux, et puis voilà.
Donc c'est pour ça que je dis attendons de. Donc cette vidéo-là, alors... voilà. Mais au moins j'aurais vaguement attendu. Et puis j'ai eu le temps de faire un petit peu le tour, entre guillemets, de ce qui se passe. Quoi qu'il en soit, quel que soit l'âge de la personne qui meurt, qu'elle ait 0 ou 100 ans, c'est inadmissible si c'est fait par quelqu'un d'extérieur, dans le sens poussé dans l'escalier, tué par balle, etc., etc., etc. C'est absolument inacceptable. C'est la prison pour la personne qui a fait ça. Qu'elle soit flic, juge, avocate, ouvrier dans le bâtiment, postier, indépendant dans un magasin, X ou Y, allant du quincaillier à la boucherie, etc., etc. Prison. Prison. Avec, bien évidemment, un jugement équitable, la présomption d'innocence, etc., etc. Mais voilà. Ah oui, puis dernière chose. Oubliez jamais que, comment ça s'appelle ça? La légitime défense doit être proportionnelle. Ça, c'est écrit dans le permis port d'armes. Si on vous donne une baffe, vous répondez par une baffe, pas par un coup de 9 mm entre les deux yeux. C'est peut-être, vous avez peut-être fait de la légitime défense parce que vous répondez à la gifle, mais vous devez répondre par une autre gifle, ou éventuellement un pain. Mais pas par un coup de pistolet, ou un coup de bazooka, ou un coup de tank. Non, ça doit être proportionnel. C'est écrit dans le permis port d'armes. Je le sais, je l'ai passé. Fut un temps. Et je m'en souviens en plus. La légitime défense doit être proportionnelle. Si par exemple, quelqu'un vous met une baffe et puis non, revenons en arrière. Si vous battez contre quelqu'un qui ne fait pas d'arts martiaux ou de sport de combat, puis que vous utilisez votre sport de combat, eh ben, votre sport de combat est considéré comme une arme blanche. Donc c'est comme si vous le tapiez avec une batte de baseball ou un couteau ou autre. Que ce soit pas une arme à feu, donc. Voilà. Bah, c'est exactement la même chose. C'est pour ça que quand vous allez dans des clubs de karaté ou autre, ils vous disent ne vous battez pas à l'extérieur en utilisant ce que vous avez appris parce que vous pouvez avoir des ennuis. Bah voilà. Et ça, c'est un prof qui l'a dit, c'est pas moi ou autre. Mais c'est aussi écrit dans la loi. Voilà. C'est comme ça. Gift. Bon, bah voilà, bah sur cette petite vidéo, je vous laisse vous abonner, commenter, liker, mettre la petite cloche, et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!